الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. La louange est à Allah. Nous le louons. Nous recherchons son aide. Nous lui demandons le pardon. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, nul ne l'égare. Et celui qui l'égare, nul ne le guide. Amma ba'd, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, wa'budu Allah ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. Dans le Coran, Allah تبارك وتعالى nous ordonne certaines choses. Il nous ordonne d'adorer Allah, de ne pas lui attribuer d'associés. Et il nous recommande d'agir en bien envers les parents, envers ceux qui sont proches, envers les orphelins, les pauvres et les voisins, qu'ils soient proches parents ou pas. في هذه الآية المباركة أمر الله تبارك وتعالى بأمور عظيمة نتناول منها أمرا كان من خصال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإحسان إلى الجار. Dans cette aya, Allah تبارك وتعالى nous ordonne des choses éminentes, parmi lesquelles nous allons étudier une chose qui était un des caractères de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir agir avec bienfaisance envers le voisin. كما دل عليه قول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب. فقد أمر الله تعالى بحفظ الجار والقيام بحقه. Tout comme cela est indiqué par la parole de Allah Azza wa Jal, toujours dans cette ayah, cette incitation à agir en bien avec le voisin, qu'il soit proche parent ou qu'il ne soit pas proche parent. أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الجار والقيام بحقه وأكد في هذه الآية ذكر الجار بعد الوالدين والأقربين. Allah nous ordonne de respecter le droit du voisin et a insisté dans cette ayah en mentionnant le voisin juste après la mention des deux parents et des proches parents. وقال أهل العلم في قوله تعالى والجار ذي القربى أي القريب أي بالنسب والجار الجنب أي الغريب، فالمراد بالجنب من لم يكن بينهما قرابة. Dans cette aya, il y a mention de deux sortes de voisins. Le premier des deux, c'est celui qui est voisin et qui en plus est un proche parent. Et le deuxième, c'est celui qui est voisin et avec lequel on n'en a pas de relation de proche parenté. والإحسان إلى الجار قد يكون بمعنى المواساة وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى
والمحامات دونه. La bienfaisance envers le voisin peut avoir lieu dans le sens de la compassion, peut aussi avoir le sens d'une vie et d'une relation avec lui qui est cordiale et amicale, dans le sens de cesser de lui nuire et de le défendre. فكف أخي أذاك عن جيرانك فقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Alors mon frère en islam, abstiens-toi de nuire à ton voisin. En effet, dans un hadith, notre prophète nous a appris que le musulman accompli, c'est celui de la langue duquel et de la main duquel les musulmans sont épargnés et sauvés. واترك ما يسبب لهم الازعاج كالضرب على ارض منزل مما يزعج من في الاسفل. Et délaisse absolument tout ce qui peut déranger tes voisins, comme par exemple faire du bruit sur le sol, de sorte que tes voisins d'en dessous en soient dérangés. واترك اللعب بالكرة داخل المنزل. Également d'empêcher de jouer au ballon à l'intérieur de la maison. كذلك لا ترفع صوت التلفاز أو الستيريو ونحوهما فيسمعك كل جيران الحي. Également de ne pas lever haut le son des haut-parleurs, que ce soit de la télé ou de la chaîne, de sorte que tous les voisins du quartier en soient dérangés. وقد يكون بينهم من هو مريض أو عنده امتحانات أو نحو ذلك. En effet, il se peut que parmi tes voisins, il y ait des gens qui soient malades, ou d'autres qui aient des examens à passer, ou ce qui est de cet ordre. ولا تترك أكياس النفايات مفتوحة فتطلع الرائحة على الجيران على الدرج أو في أسفل البناء. Également, fais en sorte que tes ordures, les sacs ne soient pas ouverts, de sorte que l'odeur désagréable nuise aux voisins, que ce soit dans les escaliers ou en bas dans le sous-sol ou ailleurs. ومن باب الأولى أن لا ترمي زبالتك على الدرج أو في المصعد. Et bien sûr, en priorité, ne jette pas les ordures dans les escaliers, dans les parties communes ou dans l'ascenseur. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. البخاري a rapporté de notre dame Aïcha que Allah l'agré que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit que Jibril lui avait recommandé d'agir en bien envers le voisin, c'est-à-dire pour qu'il enseigne cela à sa communauté, au point que le voisin allait devenir comme un héritier. وروي عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله ومن؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي ظلمه وغشمه أي ظلم يده ولسانه. Il a été rapporté de Abu Shuraih que le prophète صلى الله عليه وسلم a juré par trois fois que une catégorie de personnes n'est pas de ceux qui ont un degré de foi complète. Et quand le prophète a été interrogé, quelle est donc cette catégorie, il a répondu, celui qui est injuste envers son voisin. فقد أكد عليه الصلاة والسلام ترك إيذاء الجار بقسمه ثلاث مرات وأنه لا يكون كامل الإيمان من آذى جاره.
Dans ce hadith, donc, le prophète a insisté sur le fait que celui qui nuit à son voisin, il a insisté en jurant par trois fois que celui-là n'est pas de ceux qui ont un degré de foi complète. فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره ولا يقوم بإزعاج جيرانه وأن يوجه أولاده وأهله كيف يراعون الجيران. Il est donc important que le croyant évite de nuire à son voisin et qu'il s'abstient de les déranger. Il convient également qu'il enseigne à ses enfants et à sa famille de respecter le droit du voisin. فبعض الأهل لا يربون أولادهم على حسن الجوار فترى بعض الأولاد يرنون الجرس ويهربون أو التلفون ولا يردون بل البعض يرمي الحجارة على شبابيك الجيران. Certaines familles n'éduquent pas leurs enfants, ne leur enseignent pas les règles du bon voisinage. Tu trouves certains enfants qui sonnent chez leurs voisins puis s'enfuient, ou sur l'interphone et ne répondent pas. Certains vont même jusqu'à lancer des cailloux sur les vitres des voisins. Parfois même, des disputes entre des enfants se transforment en disputes entre les familles voisines. فلعب الأولاد أثناء النهار في أسفل البناء يسبب إزعاجا للسكان وخصوصا من يسكن في الطابق الأول. Les jeux des enfants en bas des bâtiments après-midi ou au début de la journée ou au milieu de la journée provoquent un dérangement pour le voisinage, surtout ceux qui habitent dans les étages inférieurs. وترى بعض الأولاد يزعجون عامل البناء ويتعاطون معه بأسلوب أخذوه من أهاليهم كيف تعاطوا معه أنه دونهم وقد قال ربنا تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Tu trouves même certains enfants qui dérangent le gardien de l'immeuble et qui se comportent avec lui tout comme ils ont vu leurs parents se comporter avec lui, c'est-à-dire comme s'il était inférieur. Alors que dans le Coran, Allah nous annonce que le plus honorable d'entre nous, selon le jugement de Dieu, c'est celui qui fait le plus preuve de piété à l'égard de Dieu. فمهم جدا أن تراعي جيرانك بكل أحوالك حتى إن كان عندك بهائم كهروة أو كلب انتبه أن لا تؤذي جارك برائحة هذه الحيوانات. Il est extrêmement important que tu prennes en considération tes voisins dans n'importe quel agissement. Même si tu as des animaux comme un chat ou un chien, fais attention à ne pas déranger tes voisins par l'odeur de ces animaux. ولا تترك أولادك يلعبون بالأسهم النارية في الليالي لمناسبة أو لغير مناسبة. Ne laisse pas tes enfants jouer avec les pétards pendant les nuits, que ce soit pour une occasion particulière ou pas. ولا تقاطع جيرانك لأسباب دنيوية بلا عذر شرعي مما يعكس قطيعة بين الجيران. Ne coupe pas les liens avec tes voisins pour des raisons du bas monde sans qu'il y ait d'excuses valables selon la loi, chose qui entraîne une mauvaise ambiance entre les voisins dans le quartier. فالمطلوب من المسلم أن يلتزم هذه الآداب التي هي مأخوذة من تعاليم
سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Il est demandé à tout musulman de s'attacher à ses règles de comportement qui sont tirées de l'enseignement du maître de toutes les créatures, notre maître Mohammed, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.